Cher Taureau, bonjour, ici votre horoscope pour le signe du Taureau pour le mois d'avril 2014. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La planète Mercure, la planète de la communication, de l'information, la planète des messages, va faire un conjoint avec Uranus. C'est une planète qui est un peu... qui veut de la liberté, mais aussi la planète qui fait des flashs. Donc, avec l'énergie de Mercure, ça veut dire des nouvelles qu'on n'a pas expectées. Donc, et pour les taureaux, ça veut dire quoi? Ça se trouve dans votre horoscope, dans votre 12e maison. C'est la maison privée. Le plus privé, c'est la maison aussi de notre blind spots. Donc, des choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes, mais d'autres personnes, on voit ça. Donc, ici, une opportunité pour les taureaux pour découvrir quelque chose de soi-même qui n'était pas clair il y a quelques mois ou peut-être longtemps. Donc, ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant quand on se connaît un peu plus mieux, un peu... En plus, c'est très important de se connaître parce qu'on peut faire des choix qui sont plus bons si on a tout l'info. Et voilà, pour les taureaux, c'est très intéressant. Je vous souhaite... Oh, il y a aussi un éclipse dans votre signe pour les taureaux, le 29 avril, et ça veut dire c'est commencer à nouveau pour vous. Donc, un boost, j'espère. Et voilà, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas, il y a toute l'info ici au-dessus de ce petit vidéo. Beaucoup, beaucoup de succès. Profitez-en de cette éclipse qui est en votre signe et des nouveaux commencements. C'est un bon moment pour commencer des nouvelles choses. Et voilà, au revoir et à la prochaine.